Sanctum, tua notre me, nutte prio. O nome di Père, du Fils e du Saint-Esprit, la grazia di Gesù nostro Signore, l'amore di Dio le Père e la comunione dell'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Nous voici aujourd'hui cette fête de la Vierge Marie, la présentation de la Vierge au Temple. Selon la tradition, toute petite fut confiée au Temple, je dirais naturellement pour apprendre à louer et aimer le Seigneur. Et la tradition dit aussi que une des raisons peut-être c'est que les parents très âgés c'est déjà parti, qui étaient restés orphelines. On peut croire, c'est vraisemblable, mais c'est un signe comme pour nous, un exemple, comment il faut s'hâter, s'entraîner, on pourrait dire, aller vers Dieu. C'est le but de toute créature. Et je répète, comme je dis hier dans le voyage, c'est pour nous l'exemple, le modèle, comment Dieu l'avait rêvé, l'homme, la créature humaine, et voilà qu'elle l'a vécu, on pourrait dire incarné. Et c'est une grâce extraordinaire pour nous d'être ici, pour renouveler à notre tour, même à notre âge, cette volonté d'être tout à Dieu, là où il nous a mis, dans notre état de vie, mais être tout à Dieu. Comme Dieu est partout, nous aussi, on peut être tout à Dieu, n'importe où on est, de façon physique, matérielle, dans l'état de vie, de métier, de travail, de mission que lui nous a confié. Et avant de participer à cette sainte célébration eucharistique, en sachant très bien notre faiblesse, on fait le constat tous les jours, mais il faut que tous les jours on remet, on rebâtisse ce lien, cette volonté d'être tout à lui. Et pour cela, nous demandons pardon de tous nos péchés, tous nos manquements d'amour, notre ingratitude. On pourrait dire notre distraction, des fois on est distrait. Il est là, il nous entoure, il nous donne l'être, l'existence, il nous fait vivre, et nous, il ne pense même pas. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur.
Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a faite pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondée dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargé de puissance les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait à la mer ses limites pour que les eaux ne franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce toujours à jamais. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Alléluia, alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers, ceux-ci se disaient entre eux : allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ici, devant cette image, dans cet endroit où elle a manifesté son cœur, comme l'Évangile nous dit. Une leçon, il faut toujours tirer des leçons de la vie. Une leçon que nous est proposée, que nous avons tirée, c'est l'humilité. Alors, on est en train de fêter la présentation au temple. Et pour cela, souvent, on dit que Jésus, dans sa prédication, que on peut dire de notre façon, le catéchisme que Jésus a fait, c'était sa mère qui l'avait appris, qui, comme tous les mamans, il a entraîné son enfant et qu'il a appris les choses, on pourrait dire, humaines de la vie. Eh bien, on retient de la tradition que la Vierge au Temple se serait formée, il aurait appris la Bible, comme tous les bons juifs, bons hébreux de l'époque surtout, à retenir par cœur la Torah, la loi, les commandements qu'on appelle aujourd'hui à nos jours. Alors, elle connaissait bien, on pourrait dire, la religion, pour parler avec le langage d'aujourd'hui. Et à la fin de tout cela, elle retenait dans son cœur. Signifie, il ne cherchait pas à comprendre. Voilà, je vous traduis un petit mot. L'humilité. Souvent, dans notre vie quotidienne, on dit, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, alors je laisse tomber. Est-ce qu'on peut épuiser les mystères de Dieu? Dans notre vie, je ne parle pas, c'est de la Vierge. Elle, dans sa vie, avec justement toute la formation humaine et spirituelle, toute la lumière de l'Esprit Saint, son époux. La Sainte Vierge est l'épouse de l'Esprit Saint. Et enfin, son ombre te couvrira, il a dit l'ange à l'Annonciation. Alors, est-ce qu'il n'avait pas assez, il ne connaissait pas assez, il ne savait pas? Vous croyez que pour cela qu'il s'est résigné à ne pas y penser? Non. C'est qu'elle l'a chanté le jour de la visite à Sainte Élisabeth. Le Seigneur a regardé l'humilité de sa servante. Le Seigneur cherche des gens disponibles qui ne posent pas des questions. Voir l'exemple qu'on a ici des enfants, Francisco, Jacinthe, Lucie. Qu'est-ce que veux-tu de moi? Il dit tous les fois, ici, au pied de cette image. Lucie, quand elle avait l'apparition, est-ce que nous on est prêts? On essaie d'être un peu enfant, simple, docile, pas compliqué. Et je pense que ce n'est pas loin de l'esprit de chacun de nous. Tout le monde est né d'un foyer. Regardez quand la maman doit préparer l'enfant, quand il est en train de l'arranger. Mais si le petit ne bouge pas, la maman fait vite. Mais si le petit s'agite, il a du mal à continuer à faire la toilette, à l'habiller et tout ça. Voilà, une comparaison humaine qu'on a sous les yeux tous les jours. Est-ce qu'on est, peut-être c'est le cas, de se laisser façonner pour cette mère? Il ne le demande avec son cœur. Il est venu ici, il a demandé des enfants 7, 8 et 9 ans. Ils sont des saints. Et nous? Demandons cette grâce à Sainte Vierge, l'abandon à Dieu. On parle de consécration, mais peut-être on ne sait pas la profondeur. Est-ce qu'on s'abandonne vraiment à Dieu? Je répète, demandons cela aujourd'hui dans cette fête. Elle, sans doute, elle fait ce genre de grâce, de cadeau à nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Et béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église et la salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À la reine de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Fais sainte ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, avec le pape François, notre évêque Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, qui sont endormis dans la speranza della resurrezione, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, résolés dans ta lumière auprès de toi. Nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la vineuse mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions. En communiant la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons prendre le chant l'Ave Maria di Fatima dans la lande claire, page 22 de nos petits cahiers.